Quand on sait d'où on vient, on sait également d'où on va. Quand on sait d'où on vient, on sait d'où on va. Bonjour à tous, je suis Franco Le Mignon. J'aimerais m'adresser ce matin à certains hommes de Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais expliquer dans cette vidéo deux volets. Premièrement, le volet des pasteurs qui se sentent mal à l'aise par rapport à mes dernières vidéos, à mes vidéos récentes. Et l'autre volet pour expliquer en quoi consiste réellement mon boulot. Mais avant, il y a un message qui m'a un peu, qui m'a fait bizarre. Et c'est ça qui fait en sorte même que je sois devant la caméra, je me place devant la caméra ce matin. Un pasteur qui me dit, Dieu va me tuer, Dieu va me frapper. Il va me coucher, il ne va plus me relever. J'ai fait une vidéo hier sur la prophétie de certains pasteurs, prophètes. Mais si je vous montre un message, c'est un message que bon, les inconnus m'ont envoyé. Ce n'est pas poli. Déjà, si un homme de Dieu souhaite le mal à son prochain, selon moi, je ne pense pas que c'est vraiment un vrai homme de Dieu. Parce qu'il est un peu comme celui-là. Comme le berger qui est en train de diriger ses troupeaux, son troupeau, et que l'un de son gibier dévie. Au lieu de lui mettre, de le remettre sur la direction, il l'entraîne encore plutôt à s'enfoncer. C'est ça. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas souhaiter la mort à son prochain. Si tu trouves que si tu es un homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, tu trouves quelqu'un sur ton chemin qui est en train de s'égarer par rapport à la parole de Dieu que tu prophétises, que tu dis, tu vas l'amener plutôt à la raison, à lui faire comprendre que non, mon petit, ce que tu dis là, fais très attention, lui dis plutôt que Dieu va te frapper. Mon frère, le même Dieu que tu sais, c'est le même Dieu que moi-même je sais, et il n'y a qu'un seul Dieu. Quand tu dis Dieu va me frapper, est-ce que tu es sûr toi-même que tu, toi qui me dis là, tu es sûr que toi-même tu sais Dieu que tu dis? Je ne pense pas. Si oui, pourquoi ce genre de propos? J'étais à un événement, ça fait 2 semaines. J'étais surpris par le comportement d'un prêtre qui était en train de célébrer une cérémonie. Et quand il célébrait la cérémonie, quand je suis venu m'asseoir, il ne faisait que me regarder. J'ai vu que j'avais un problème avec lui. C'est quand il finit toute la cérémonie, il envoie quelqu'un m'appeler. Je pars, on se salue, mais c'est toi Franco Le Mignon? Il dit oui, il dit waouh. J'aime tellement ce que tu fais, que ce soit côté, quand tu parles un peu des hommes de Dieu et tout, que ce soit même tes truderies. J'aime tellement ce que tu fais, parce que tu sais, il y a un esprit qui t'anime, à dire certains trucs que toi-même tu ne sais même pas. Il y a des choses que tu dis, tu ne connais même pas la portée de ce que tu dis. Il y a des choses que tu parles, ça sensibilise, et d'autres ça éveille leur conscience. Mais toi-même, tu fais, tu sais que tu fais seulement pour rire. Mais c'est Dieu qui t'anime, qui, c'est Dieu qui est en toi et qui révèle tout cela en toi. Et que Dieu te bénisse. Continue dans la même lancée. Un prêtre exorciste, trop puissant. Il me dit ça. Il me dit, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas encore le sens de ton travail. Mais demain, ça aura une grande portée. Continue simplement à travailler. Voilà ce qu'il me dit. Donc, moi, je n'ai jamais pris l'avis d'un pasteur et exposé sur les réseaux sociaux bien un homme de Dieu. Je n'ai non plus jamais filmé un homme de Dieu en train peut-être de célébrer un événement, de faire quoi, et venir exposer sa vie ou bien parler de lui. Tout ce que j'utilise, c'est ce qui se trouve sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que les images que moi j'exploite, ce sont les images que vous-même vous avez mises sur les réseaux sociaux. Quand vous mettez sur les réseaux sociaux, c'est pour que nous, on utilise. Vous comprenez, non? Un autre vient me dire, tu crois à tes crânes et tu penses que tes crânes là vont te sauver. Mon frère, déjà, je ne sais pas qui t'a dit que je crois aux crânes. Et même si tel était le cas, les crânes là me sauvent. Il y a un Dieu au-dessus de tout ça, mais même les crânes là aussi chez nous. C'est notre coutume, c'est notre tradition. Tu comprends? C'est pour cette raison que j'ai commencé en disant, quand tu sais d'où tu viens, il faut savoir où tu vas. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça, c'était d'un. Et de deux, maintenant, je voulais expliquer mon boulot. Les gens sont abonnés à ma page parce qu'ils veulent rire. Et je me cache souvent derrière ces rires pour communiquer, pour faire passer beaucoup de messages.
Ceux qui viennent seulement regarder mes vidéos sur la forme et non sur le fond ne vont pas et ne vont jamais comprendre qu'est-ce que je fais réellement. Je ne suis pas seulement là pour faire rire. Mais dans mes vidéos, j'explique beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent suivre aussi la vidéo, pas sous la forme, qui suivent la vidéo et comprennent le sens où ma vidéo est en train d'aller. À chacun de juger comme il veut. Tu regardes, tu juges de ta manière. Et moi, je fais ma vidéo, je juge de ma manière. Et seul Dieu connaît l'esprit qui anime chacun d'entre nous. Donc, arrêtez donc de faire des ménages. Mais dis, Dieu va me faire ci, Dieu va me faire ça. C'est le même Dieu que nous servons. Vous comprenez? C'était mon message ce matin. Que Dieu nous bénisse tous. Merci à tous ceux qui me suivent et qui m'encouragent. À la prochaine. Je n'ai rien contre les pasteurs. Bye bye. Abonnez-vous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.